chaque monde que nous avons questionné, qui ça nous besoin, qui ça l'État doit faire pour au moins nous déposer des âmes, suspendre tout le monde, suspendre kidnapper le monde, suspendre tout le tête nous, parce que dans la communauté qui vivre là, pas de la vie. Et là, nous allons enregistrer en pile de monde. Demande qui vient à ouais avec des activités qui doivent rentrer dans le cadre de politique publique l'État. Qui montrent que l'État et absence l'État qui permettent que ça y a substitué à l'État. Et là, il y a deux zones que nous avons parlé avec eux et qui sont très avancées, qui sont Grand Ravine et Tibois. Tibois lui-même était très clair dès le premier jour pour dire qu'il y a besoin de l'eau potable. Parce que yo fait plusieurs manœuvres pour mener de l'eau à Tibois, yo pas qu'à mener, yo dépensé plus de 20 000 $ américains que yo collecté dans mes sociétés en haut, dans mes populations. Yo pas qu'à monter de l'eau, yo t'a appelé l'État au moins aider. Vous écoutez. Deuxième revendication, c'est en question des centres professionnels que vous voulez pour jeunes garçons et jeunes filles, yo bien on l'autre alternative que ouvrir par yo. Grand Ravine lui-même te dit, il y a besoin de centre professionnel tout, mais il y a besoin d'un centre de santé et ça capable de conduire à ce que eux-mêmes arrivent à côté pour faire une alliance entre eux. Dans la mesure où Grand Ravine n'a pas représenté une menace pour Tibois et Tibois n'a pas représenté une menace pour Grand Ravine parce que chaque dit, ils ont peur, l'autre, si ils déposent des armes, l'autre là qui envahit, etc. Et là, hier, nous avons eu une séance de travail avec CNDDR, là, côté non représentants, des représentants de deux zones, ça, yo, qui viennent chita avec nous. Nous faisons ça dans l'hôtel Le Plaza. Côté nous chita ensemble avec eux pour nous voir problème que nous avons abordé, qui c'est problème l'école professionnelle le plus rapidement possible. Moi-même, personnellement, moi, prends des engagements puisque ça, c'est censé domaine, PAM, domaine de vie, moi, formation professionnelle des jeunes. Pour nous dire, nous prenons le bail centre professionnel dans deux zones, ça, yo, pour nous garder comment nous sommes capables de retirer les âmes dans les mains de jeunes garçons et de jeunes filles et tabayo métier. Mais les patates suffisent dans la mesure où, monsieur, il y a un pile de jeunes garçons et de jeunes filles que moi-même je formé. Il y a 5 500 déjà que nous formé de manière gratuite. Mais dans 5 500, à peine nous avons 500 créés en Haïti parce que nous avons un ticket pour aller au Brésil, pour aller au Chili, pour aller dans l'autre pays. Non, monsieur, tu as questionné hier sous sérieux questions. Et c'est là que tu as parlé avec CNDDR, la possibilité ou du moins devoir, obligation que nous gagnons pour nous t'acheter à UCLBP, qui c'est unité qui a construit bâtiment public, yo, pour nous chita avec INFP via le ministre de l'Éducation nationale, qui hier, de manière improvisée, te rendons une visite. Dans la séance de travail, là, je parle de ministre Agenor, dans la séance de travail pendant que nous recevons le groupe, pour nous, avec INFP, question diplomation, pour monsieur et dame qui a sorti dans la formation professionnelle, ça, yo. Mais pas oublier, c'est des gens qui ont des âmes dans les mains, ou du moins qui ont des âmes dans les mains, qui ont cherché à manger pour manger. Maintenant, il faut demander intervention de l'État à tout, pour nous garder dans quelle mesure, les gens qui ont appris le métier en roi, ils sont capables de gagner en deux plats. Sénateur, moi t'entends avec intérêt, moi comme nous t'entends avec intérêt. Et est-ce que nous conscients que à travers ce que tu dis là, c'est une réflexion pour essayer corriger et fait récemment justement ce dossier sécurité ça et avec commission qui est là pour désarmer et réinsérer les gens qui ont des armes dans les mains. Bon, là, on ne peut pas parler de commission, dans la mesure où, avec le Parlement qui n'a pas fonctionné, les révéler les complètement difficile, sinon au téléphone, pour nous gagner des séances de travail. Est-ce que je me passe bien? Oui, bon. Oui, oui. Alors, pour gagner des séances de travail formelles qui sont faites entre nous, tous les membres de la commission. Cependant, après, de temps en temps, gagner une membre de commission, par exemple, le sénateur Latortue, qui écrit nous, qui m'a dit de bon travail sur des sujets bien déterminés. Et en dehors du travail SAIO, nous gagnons des attributions parlementaires que nous gagnons comme sénateur de la République dans l'Ouest, qui est doublement concerné par ce qui a passé. Et ça fait moi-même personnellement,
moi à travailler matin, midi, soir avec directeur général de la police là, parfois en dehors de micro, en dehors du bruit que société a pour société a connu ça n'a fait. Mais n'a regardé ensemble comment nous capable remonter pente ça, pente insécurité a qui censé gailler sur tout pays a et qui a perdu un paquet opportunité dans période fin d'année, particulièrement haïtienne, haïtien dans diaspora compatriotes nous qui étaient venus venir passer moment avec famille en Haïti mais qui malheureusement obligé à pas cancel réservation pas qu'à venir pour question sécurité. Nous te ouais pendant pays donc là qui valait moun qui était censé gen zam nan men. Moi-même moi te dit attention ça li montre ça me toujours briller en moi pour lui depuis plus que 3 à 4 ans pour me dire que trop zam qui en circulation dans pays a fond metti virus sou yo faut au moins non fait zam ça pas qu'à circuler faut qu'on fait moun ça yo qui détenteur d'armes illégales yo pour déposer zam pour enregistrer yo et pour l'état prendre contrôle zam ça yo. C'était occasion pour nous tout ouais qui nan ki niveau malignant lié. Maintenant pendant cette période ça qui gagne la paix alors la paix en paix apparente moi-même mon travail en pile à direction générale la police là nous travaille en pile avec commission cap fait des armements qui relait des CNDDR là et qui nature travail avec directeur général la police là n'a regardé comment il est capable d'adresser question gangstérisation et prolifération d'armes à feu en de pays. Et ces jours-ci, on pourrait y a en pile sortie que direction générale de la police l'a fait en pile information qui montrait que moun y a metté en barcode. Mais en dehors de moun qui a metté en barcode, là gen moun qui a tombé tout dans les champs de tir avec la police. Là moi-même comme sénateur de la République, qui lui-même c'est sénateur moun qui est bon en de société a et qui sénateur moun qui pas bon ou tout nous a essayé faire une approche sociopolitique de situation ça pour regarder qui réponse qu'une capable pouti et c'est là nous t'a applaudi et CNDDR là par entremise de président et monsieur Dorsina major non avec monsieur Dorsina Robert Jean Rebel qui demande nous en tant que sénateur de la République et monde que nous y est en société là comment nous ca aider yo avancer dans cadre travail que y a fait qui c'est désarmement vu que yo manque moyen ou même pour t'avancer. Moi même comme sénateur on pas de moyen liquide dans même pour t'aider. Cependant avec des démarches que nous commençons à faire et nous avons 3 séances de travail déjà. Yo séance de travail le 11 novembre. M'pas de café deuxième séance de travail là le 12 parce que moi t'es vinn malade m'pas bien le 29 nous prend deuxième séance de travail là et non hier 20 décembre nous fait troisième séance là. Dans deux premières séances ceux qui s'altéré son travail qui est extrêmement difficile c'est SNDDR là qui était ouvert on table d'écoute côté nous t'a parlé avec bien sûr des monde des principaux concernés que nous relé chef de gang en dans pays là yo mette table de couplan sur un speaker et a posé question à chaque monde que une table questionné yo qui ça nous besoin qui ça l'état doit faire pour au moins nous déposer zam suspendre touyer une lot suspendre kidnapper monde suspendre touyer tête nous parce que dans communauté t'a vivre là pas gain la vie et là nous enregistrer en pile demande demande qui gagne à ouais avec des activités qui a dû rentrer dans le cadre de politique publique l'État qui montre que l'État et absence l'État qui permettent d'exagérer à substituer à l'État et là il y a deux zones que nous avons parlé avec yo et qui sont très avancées qui c'est Grand Ravine et Tibois. Tibois lui-même était très clair dès le premier jour pour dire même qu'il a besoin de l'eau potable parce que yo fait plusieurs manœuvres pour mener de l'eau à Tibois, yo pas ka mener, yo dépensé plus de $20,000 américains que yo collecté dans mes sociétés en haut, dans mes populations. Yo pas ka monter de l'eau, yo t'a vle l'état au moins aider. Vous écoutez. Deuxième revendication, c'est en question des centres professionnels que yo vle pour jeunes garçons et jeunes filles, bien on l'autre alternative que ouvri pa yo. Grand Ravine lui-même te dit au besoin centre professionnel tout
mais ils ont besoin d'un centre de santé et ça capable conduit à ce que eux-mêmes y arrivent en côté pour faire une alliance entre eux dans la mesure où le Grand Ravine pas représenté une menace pour Tibois et Tibois pas ta représenté une menace pour Grand Ravine parce que chaque dit ils ont peur l'autre yo, si ils déposent des armes l'autre là qui envahit etc. Et là hier nous avons eu une séance de travail avec CNDDR là côté non représentant des représentants de deux zones ça yo qui viennent chita avec nous fait ça dans hôtel Le Plaza côté nous chita ensemble avec eux pour nous problème que nous ca aborder qui c'est problème l'école professionnelle le plus rapidement possible. Moi même personnellement moi prends des engagements puisque ça c'est censé domaine pam domaine de vie moi formation professionnelle des jeunes pour nous dire nous prenons le bail centre professionnel dans deux zones ça yo pour nous garder comment nous capables retirer les âmes dans main de jeunes garçons et jeunes filles et tabayo métier mais les patates suffit dans la mesure où monsieur il y a en pile jeunes garçons et jeunes filles que moi-même me formé j'ai 5500 déjà que nous formé de manière gratuite mais dans 5500 à peine nous gagner 500 crédits en Haïti parce que va y comprendre critiquer pour aller au Brésil pour aller au Chili pour aller dans l'autre pays donc monsieur t'a questionné hier sous sérieux question. Et c'est là que nous avons ouais avec CNDDR là, possibilité ou du moins devoir, obligation que nous gagnons pour nous t'acheter à UCLBP, qui c'est unité qui a construit bâtiment public, yo, pour nous chita avec INFP via le ministre de l'Éducation nationale, qui hier, de manière improvisée, terrain non yon visite dans la séance de travail là. Je parle de ministre Aginor, dans la séance de travail pendant que nous recevons groupe yo. Pour nous, avec INFP, question diplomation, pour que monsieur dame cap sorti dans la formation professionnelle, ça yo. Mais pas oublier, c'est des gens qui ont des âmes dans les yo, ou du moins qui ont des âmes dans les yo, qui ont cherché manger pour manger. Maintenant, il y a demandé intervention de l'État à tout, pour nous garder dans quelle mesure, moun sa apprendre le métier en roi, yo capable de gagner deux plats, yo joindre, qui va permettre d'avancer. En gros, c'est ça, travail. Okay. Oui. Sénateur, moi t'en dois avec intérêt, moi mon nous t'en dois avec intérêt. Et est-ce que nous conscients que à travers ce qu'on dit là, c'est en réflexion pour essayer corriger et ben, essayer corriger. Et, mais là encore, il y a pas de, de politique et soit faire formation professionnelle, politique de l'emploi, politique d'intégration, politique sociale, développer politique de proximité en des quartiers précaires pour fournir et des services, mettre des centres culturels, des instruments publics et qui permettent des loisirs, des hôpitaux. Et est-ce que où rendons-nous compte que Jean ou schématisé là et Jean noir en fait mettre quelques autres éléments là-dedans là, ou après raconter des décennies d'échecs de l'État haïtien qui y a un élément qui beau quartier précaire ça yo avec caractéristiques que gagne la jodia et sous d'accord sous prémisse ça est-ce que ou croyez sérieusement et objectivement que l'on peut changer la donne sans des politiques sans des allocations de ressources dans le budget pour que nous adresser problématique ça que nous évoquer là d'accord avec vous 400% que l'État li échoué dans grande politique publique qu'il t'a dû prendre. Et moi-même, comprenne bien, monsieur, monsieur, dame, moi, dans le domaine, dame, d'où malade, le 13 novembre, le 12 novembre, non, c'est après séance de travail que je viens faire avec monsieur, nous fait 3 heures de temps, nous à parler avec tout monsieur, dame, ça, qui ont même gagné dans tout pays avec CNDDR, là, m'a estimé en pleurs problème non par rapport à Jean moi-même moi été appréhendé comprendre bien moi-même comme si moi-même moi con formation militaire et comme si moi con formation de police et comme si moi d'abord moi son pénaliste l'aime moi on est exam l'aime moi on est qui après les am tuer monde kidnapper monde par l'autre bagaille qui mettons en prison et sous pas qu'elle en prison c'est mourir pour mourir c'est comme ça moi-même Jean me construit et comme ça mais cependant, moi, mais mourir pour mourir, attends, parce que qu'on dit que le président est fait à l'empile. Et gagner la loi qui encadre l'utilisation de la force mortelle, gagner la loi qui encadre le travail jugé. Et mon pas qu'à mourir même sur les âmes, quelle que soit la façon. C'est ça, moi-même, je dis. Alors, la première appréhension que nous gagnons nous-mêmes comme dirigeants, c'est mon qui gagne les âmes, on met les âmes sur nous.
c'est moun qui les amis en arrêté yo en touyé en mettre hors d'état de nuire. Mais ma questionné à partir d'un dialogue que m'entendé ancienne de derrière là avec un monde qui dit qui chef de gang qui dit lui mandé de l'eau potable. Là on mandé de l'eau potable pour le bois, est-ce que c'est zame que m'ka mettre sous lui? Là on a dit m'li grand goût, li besoin profession pour li dit m'li besoin profession pour le faire manger pour mettre la caille. Est-ce que c'est prison ou bien zame pour mettre sous lui? Là obligé qu'il y a une autre façon pour n'apprendre des questions. Moi même ensemble avec vous nous connaissons que l'État a échoué dans notre grande politique publique. Yo. Exemple, si nous n'avons pas de professionnalisation aujourd'hui, il y a des gens qui n'ont pas de profession dans la zone ça, yo, et c'est des gens qui sont utiles à la société, qui sont avancés à la société. Il n'y a pas de politique d'emploi dans le pays, nous constatons. Et ou quoi pour le ministère des Affaires sociales, je dis le ministère des Affaires sociales du Travail, mais travail là, c'est un bagage qui paraît un peu tabou dans la mesure où nous pas travail axe politique public ça. Moi-même pense que c'est important pour nous corriger aujourd'hui. Hein? Moi-même, personnellement, m'a fait des petits travail que m'a fait là avec CNDDR là, c'est une goutte d'eau dans un océan. Je ne crois pas que moi-même, moi, en mesure pour me répondre personnellement avec Samuel là. Ok, maintenant, c'est sénateur. Nous avons identifié le problème, non? Ok. Nous avons commencé à poser des pions. Par exemple, permettez-nous tout ça rapide. Et sous route mal parce que quand on est, on dit papa est là. Et pas j'ai à ma bataille pour me garder qui j'en ai fait la paix et tout, pour te faire prévention. Mais l'État n'est pas capable. Okay. Moi, je suis obligé de chercher quoi PAM pour mal investir dans le commissariat. Et pas doit PAM comme sénateur. Moi, je comprends ça. Maintenant, je me pose une dernière question, mais je n'ai pas le monté de rapport avant de répondre. Est-ce que l'offre est sort là? Ou résolument engagé ou ap engagé ou continue engagé nan goumen contre corruption, voler l'argent l'état, détournement de fonds, mauvais usage des fonds publics, Petro-Caribe, budget de la République, pour moun yo comprendre clairement. Oui, opulence en parlement en tout. Oui, oui, opulence, mauvaise utilisation de fonds publics pour nous comprendre que c'est l'argent l'état qui détourne, vole, mal utilisé. Qui bat nous bagaille ça, je dis à la, qui retourne, qui pète dans le bouchon avec, et avec sénateur Jean-Renel Senatus, et ces dernières questions à poser avant de prendre pause pour rentrer dans l'éditorial là. Moun yo volé l'argent l'État, yo détourné l'argent l'État. On sait de budget patate, yo ba une série d'institutions, t'as coup parlement. Et budget de fonctionnement l'État haïtien, son bagaille wololo, budget d'investissement pour dernier exercice ça. Les 2 milliards, m'kwa investissement presque dépassé 20 milliards et plus, et immobilisation, fonctionnement, regardez, l'État bien passé, mais investissement comme taxe, yo pas rentré dans la communauté, yo. Problématique, inefficience, utilisation ressources, yo. Détournement ressources, notamment avec une série de voyages qui fait scandale là dernièrement, et autres mauvais usages de fonds publics. L'État pas gagné inventaire actualisé pour tenter d'acheter machine toute journée, acheter équipement toute journée et aller savoir dans certains cas des monde qui dit est-ce que gagné livraison de équipement qui fait Petro-Caribe et autres, est-ce que jodia faut que nous dit public là qui attend là que Jean l'État a fonctionné à Jean mon a capté ressources publiques qui fait que service pas arrivé dans communauté fait mon monde rager bout de l'eau. Yo responsable de sa cabrivea et faut que nous engagions nous dans bataille pour édition de compte Petro-Caribe, budget public et tout l'autre fonds public qui mal utilisé. Sénateur, c'est la dernière question. Effectivement, moi-même, moi, ça a toujours été mon engagement. Engagement pour au moins nous assainir espace l'État dans le cadre de lutte contre la corruption qui doit mener. Moi-même, mal et plus loin, d'un côté, corruption en vini à la suite de velléité. On dit velléité pour moun yo mal gouverné. Yo di choisi pour mal gouverner pour yo capable arriver dans corruption k'ap fè afè personnel yo. Hier m'te gen un policier me k'ap dim kont la pa dèr yo. Il pa dèr yo eten. Yo pa fonctionné. Il a dim pendant même t'ap installé yo gen que déjà pas fonctionné. Pour qui ça c'est choix ça que m'te fait? Nous te fait choix facile parce que assez souvent nan choix facile nous joindre. Alors là me dit nous m'a parlé de autorité yo yo fait choix facile parce que poche yo a gonflé lorsque on fait pareil choix. Moi d'accord à question gouvernance là faut que nous allons well
parce que nous son peuple qui a dépensé plus que nous rentrer, nous dépensé plus que ça ne gagne. Mais comprenez bien monsieur, et en matière de gestion, faut que nous gagnions prévision et prévision au vie au vigne à partir de connaissances. Moi penser jodi a c'est le moment pour n'a questionner moun k'ap diriger nous tout, parce que avoir seulement la bonne volonté pas suffit pour permettre ou capable bien diriger et bien gouverner. Bonne volonté pas suffit, faut au moins une vision. Vision a venir à partir de son ouais, à partir de son étudier, à partir de son apprendre dans comparaison à faire avec l'autre pays qui a avancé. Or ça li manque nous jodi a. C'est manque de vision qui permet nous pas jamais qu'à adopter de grandes politiques publiques en matière de professionnalisation des jeunes. Un pour exemple, moi-même m'entendais dire dans l'ONA seulement il y a un seul monde qui prend plus que 1 milliard de gouttes. Mais avec 1 milliard de gouttes, c'est un paquet de bagages qui est capable de créer de nouvelles classes d'entrepreneurs ou qui est capable de permettre emploi à vie. Mais si vous n'avez pas de vision, vous n'avez pas appliquer. C'est parce que nous sommes censés borner qui fait nous arriver côté nous arriver là. Moi, je pense que nous bataille contre la corruption, c'est bataille nous chaque lié, ou même qui a mis coup là, moi-même, sénateur Jean-Renel Sénatus, qui est derrière la tribune, moi, dans le Parlement, elle fonctionne vrai, ou du moins ce qui est avec bâton crème devant les étudiants, ou professeur à l'école là, et lui-même qui est derrière taxi là, nous tous qui doit gagner, au moins si nous fixons cette bataille contre la corruption, hein, parce que lui mène dans l'état que nous sommes là. Mais nous avons un exemple. Pardon, sénateur. Qui te mette un peu de débat concret? Où qu'on fait un petit coup de pied dans le centre pilote? Je passe au centre pilote il y a 3-4 ans de ça. Où tu as supposé faire un petit repasser? Il y a des titres avocats faits de réhabilitation, mais ce centre-là, tu as droit plus ambition que ça comme entité publique. Où qu'on fait un petit passer dans le complexe qui est ou Wav Jérémy? Hein? Non, beaucoup aller même. Faut passer parce que bon partie dans complexe administratif ça et qui gagne la dernière des écoles professionnelles. Mais il y a dans certains cas des bâtiments qui dans cas Wav Jérémy qui existait maintenant l'autre qui en décrépitude qui montrait que clairement la formation professionnelle pas intéressé l'État. C'est ça notre réalité. Bon, oui. La téléphone nous propose là et mais n'a fait débat en l'autre là parce que problème est beaucoup plus profond que ça. Et m'invite en témando. Est-ce que problème de vision t'as pour là? Est-ce que ouais une vision au sommet de l'État notamment et par rapport au président Moïse? Même t'es nous allé là. On va faire récidiver. Ça t'es dit oublié. M'te dit que la président Jovenel va diriger. Ah, oublié. Il t'a dirigé. Est-ce que vous avez besoin de là? Je dis à la moue la baïdelle d'étape, comprenez? Et m'fond de m'apprécier en pile interview matin que n'a fait. Assez souvent, nous baïdons moun kap krasé pays yo parler. Nous baïdons tout moun parler. Non. Comment dire? M'a pas dit ou même personnellement. M'a parlé de la presse de manière générale. Ok. Assez souvent, nous baïdons espace à moun kap krasé pays, moun kap dit tout yé moun. Moun kap di boule moun, krasé vite machine moun, etc. Mais les frustrations kap fait moun krasé machine moun, yo.